Allez, salut à tous, c'est Nyxos et on se retrouve pour l'épisode 13. L'épisode 13 de Millemer Party. C'est parti donc. J'ai enlevé, comme on me l'avait dit, le son des armes pour le mode Matmos. C'est beaucoup plus. Beaucoup plus. Beaucoup moins plutôt chiant. Voilà. Donc, la dernière fois, on avait bien commencé notre maison. Mais je vous avoue que ça fait longtemps que je suis pas que j'ai pas joué et je me rappelle plus trop ce qu'on faisait. En tout cas j'ai de la cobble, là là là. Je sais plus du tout ce qu'on faisait. Tant pis, on va bien trouver quelque chose à faire. Alors là c'est la taverne je crois qui s'est créée. Pas de nouveau bâtiment. Encore des ours. Population 8. Ah un an, il n'y avait pas 9 avant. Ah, il en faut de la laine. Ah oui, voilà de la laine. Je cherchais des moutons. Mais impossible de trouver des putains de moutons sur cette map. C'est bizarre quand même, hein. Je vous rappelle qu'on avait fait tout le tour et zéro mouton. On va aller un peu plus. Hop. Un petit peu plus par là-bas. Voir ce qui se passe. Hop, hop, hop. Alors. Ok. Toi je te tue. Tac. Alors rien de. Rien de. Il y a plein de squelettes qui se sont fait cramer la gueule là. C'est plutôt cool pour moi. Alors, on va miner un petit peu d'obsidienne pendant qu'on y est. Si je me rappelle bien le lac de lave par là. On doit être par ici. Ouais. Ah, de la bouffe. Ça, on prend. Alors, un petit peu d'obsidienne, ça fait pas de mal de temps en temps d'en miner un petit peu. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on m'a dit pas mal de fois la technique pour faire de l'obsidienne rapidement avec de l'obsidienne, de la redstone si je me souviens bien, de la lave et de l'eau, un truc comme ça. Déjà on va miner tout ce que j'ai à miner, parce que j'ai déjà pas mal d'obsidienne à miner. Et puis quand on aura miné tout ça, bah on verra pour faire la technique avec un seau de lave, je crois. Faut que je vois la technique, mais je crois c'est avec des pistons, enfin un piston. Oula. Oula, oula, oula. Non. Hop. Tac. Et tac. Bon là je suis tranquille. Bon, je vais en miner 4 et puis ça sera bonheur. Ça sera bon pour cet épisode. On va essayer d'explorer un petit peu parce qu'il me faut absolument des moutons parce qu'il leur fout de la laine. Alors, je veux pas faire mon 1, mais bon. Le but de cette série, c'est un peu de faire évoluer les villageois en leur vendant des trucs. Ça serait con que je trouve pas de moutons. Alors, mout. La danse de la pluie, je vais faire la danse du mouton moi. Boum boum boum. Allez, plus sérieusement là il me faudrait du mouton, ces chiens. Ces petites chiens. Rien de rien, mais c'est fou ça. Aucun mouton. Oui, on m'a parlé du lapin aussi que je peux mettre sur ma tête, mais je trouve ça inutile. Même si c'est marrant. Alors la canne à sucre à un biome marais. Alors, tac. On va aller par là. Encore un petit lapin. Merde. Hop. Alors. Pas de mouton en vue. Mais c'est fou ça. Comment est-ce qu'un mouton ne peut pas. Ne peut pas. Comment exister? Enfin, c'est. On ne peut pas popper, c'est. C'est fou ça. Il y a de la clay. Tant pis, j'ai pas besoin de clay pour l'instant. Bon, mais d'un côté, ça nous fait un peu d'exploration. Ça nous fait découvrir les territoires aux alentours. Hop. Et c'est bizarre aussi, je sais pas si la technique d'éclairer la nuit, ça fait encore popper les monstres. Je sais pas du tout. Hop. Toi, tu crèves. Et toi,
tu crèves. Alors on va monter. Alors par ici. Qu'est-ce qu'il y a? Biome de pain. Hop hop hop. Il y a du charbon là, mais je crois que j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin de charbon. Au pire, je sais qu'il y en a là. Mais c'est fou ça. Ah, un biome plein, ça c'est peut-être bon. Oh, des citrouilles. C'est bon à savoir ça. D'avoir une hache sur moi. Hop. Oh bah c'est nickel, on va pouvoir faire une petite déco Halloween avec ces petites citrouilles. Tac. Alors, je regarde vite fait par là, pas de mouton, non. En même temps, pourquoi il y aurait un mouton, hein? Bon, on va faire un petit tour sur la plaine. Hop, je fais gaffe au post-cave parce qu'il y a les piranhas qui peuvent me bouffer les pieds. Rien de rien de rien de rien, c'est fou ça. Ah, c'est marrant ça, c'est quoi? Ça doit être un truc encore de millénaire. Ah bah y'a des mecs. Ah mais ils sont méchants en fait. Ah, les bandits. Ok. Ok. Énorme. Wow, c'est la première fois que je vois ça. Donc apparemment il y a des tours de bandits maintenant. Putain, ils ont l'air d'avoir sacrément de la vie en plus. Et voilà. Bon, ah bah dis, on aura fait une sacrée découverte. Ils veulent Igmar, d'accord. Alors on va aller voir ça plus tard, on va aller voir ça là-haut. S'il se passe quoi? C'est une tour de défense. Putain, c'est... Ah, c'est super ça. Ça, j'étais pas au courant du tout. Ah, c'est une bonne découverte ça. Alors moi, je suis ici, d'accord. Franchement... Ah, un petit village là-bas qui se construit. Franchement, super, ouais, super découverte là. Je suis content d'avoir trouvé ça. On va mettre une petite torche avec un peu de chance. Hop, on va voir un petit cochon, un petit mouton qui va popper. Bon bah on va aller voir ça pendant la nuit. Ça va nous occuper, j'espère. Ah bah non, c'est juste leur cache. 48 deniers, ça c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ouh là 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 là. Oh putain, énorme. Énorme. Alors, hop, un helmet. Pas une tête de con avec ça moi. Un helmet, là j'ai un jean, j'ai du calva, putain j'ai, il faut que je le prenne, il faut que je le prenne. Comment je vais faire ça moi? J'ai besoin de bouffer, alors on va bouffer. Hop, les deux côtelettes, tac, ça va me faire un d'espace. Qu'est-ce que je peux jeter? Ça j'en ai pas besoin. Ensuite, réfléchissons. Voilà. Et puis... Pop, pop, pop. Allez. Un dernier truc à acheter. Qu'est-ce que je pourrais acheter? Pas ça. Ah, mais trois poissons, c'est de la bouffe. Ça me saoule quand même. Bon, allez, on va acheter un poulet. Bon, bah j'ai du calva. J'ai... Putain, j'ai plein de trucs. Plein de nouveaux trucs. Ça, c'est bon à savoir. Voilà. Bon bah rien d'autre à part du bois. Non, rien, rien, rien. En tout cas, c'est bon à savoir ça. J'étais pas au courant et par contre, on va récupérer les stone slabs parce que ça, c'est plutôt chiant à faire. La pelle, allez. Et la hache, allez, c'est parti. Hop. Hop. Je vais me recevoir un zombie sur le coin de la tête. Non, c'est bon. Alors ici c'est des demi-dalles. Qu'est-ce que je pourrais acheter? Tatatam. Putain, mais j'ai rien acheté, c'est pas possible. Réfléchissons. Alors. Bon, au pire, je vais jeter un cidre.
Ou alors je vais en boire, hein, comme ça je verrai bien ce que ça fait. Ok, bah j'ai rien compris à ce qui s'est passé. Alors, hop, on va choper ça. Ok, rien d'inquiétant. Hop, on finit le tour. On finit en gros de piquer tout ça. Oh, 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 oh. Et bah dis, j'ai bien fait. Des pastèques. Putain, ça c'est magnifique. Oh là là, que de nouveautés. J'ai découvert... Oh, putain. Hop. Allez, crève. Putain. Voilà. Qu'est-ce que je peux jeter? Alors, on va jeter le cuir, hein, de toute façon. Allez. Bon, bah, c'est nickel. Ce que je vais faire, c'est que je vais redescendre. Hop, je vais boucher ça. Tac. Et je vais dormir un coup. Hop, voilà. Épée en main. En tout cas, on a trouvé de l'armure nord. Putain, ça c'est nickel. J'étais pas au courant de... que ça, ça existait. Et, franchement, c'est une bonne nouvelle. Ça, je trouve ça vraiment sympa. Je trouve ça vraiment sympa. Bon bah c'est super, bon bah on va essayer d'en trouver d'autres hein, du coup maintenant que je connais. Ça se trouve je vais peut-être en trouver d'autres. Alors ce que je vais faire c'est que ça m'a l'air d'être un villageois pas millénaire. Donc je vais aller le piller. Il faut se faire plaisir de temps en temps. On va piller ce... comment ça s'appelle ce village. Alors... Oh, du mouton, putain j'avais pas fait gaffe. Nickel, attends là-bas il y a l'air d'avoir un truc assez joli. Et bah voilà, on aura fait une bonne expédition. Une expédition. Je vais apprendre à parler la prochaine fois. Faut que je jette un truc, le fil. Ok, nickel. On va acheter en même temps. Allez Non, on va pas récupérer toute la laine non plus. Alors les mecs, les testy man, je sais plus comment on les appelle. Il y a peut-être des coffres cachés, non? Je sais pas. Hop, toi je te tue. Est-ce qu'on peut récupérer la bibliothèque? Non, mais on récupère des livres, ça c'est bon à savoir. On va pas acheter ça, on va acheter... Allez, les champignons, ça je pourrais en trouver assez facilement. Hop, on va piller tout ça. Tac, voilà. En face, il y en avait encore. C'est l'occasion de se de se faire plaisir. C'est pas des villages millénaires, donc ils sont inoffensifs. Même quand on les attaque tout seul avec une hache, ils ont peur. Tant pis. Hein. J'ai envie de dire. Alors, je vais jeter ces deux raw beef. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir me faire... pas mal de blé. Tac. Tant pis, je vais tout piller. Peut-être prendre les seeds quand même. Pour prendre les seeds, on va acheter quoi? Ah, je sais. Bon, allez, ça, on va l'ajouter. On va pouvoir en refaire assez facilement. Hop, allez, on va tout prendre. C'est parti. Pas tout, mais une bonne partie. Hop, et voilà. C'est ce que j'appelle un bon petit pillage à l'ancienne. Tac. Voilà. Bon, j'ai fait la dose de blé. Nickel, je pourrais me faire du comment ça s'appelle? C'est une maison de merde. Du pain. Putain. Ça fait du temps pour sortir ce mot. Du pain. Hop. Voilà. Ici rien d'intéressant. Là non plus. Oh, il y a une fleur de... Non mais vraiment, on rêve. Là-bas ça a l'air vraiment intéressant. Je vais aller voir ça parce que ça a l'air d'être assez joli. Tout simplement. Mais on va finir de piller le village avant. Sinon c'est pas drôle. Hop.
J'ai déjà plus de place pour les Sims, putain, ça va vite. En tout cas, je pourrais me faire sacrément du pain. Hop. Voilà. Allez, encore deux petits champs. Et ça sera bon. Sur la carte, je suis même plus sur les cartes, putain. Faut que je fasse gaffe. À pas me perdre. Et voilà. Ah non, encore celui-là, merde. J'ai oublié. Hop. Et voilà. Alors, hop, épée en main. On va aller voir ce que c'est là-bas. C'est juste une formation, mais... ça a l'air joli. Je vais peut-être retrouver des petits moutons blancs. Putain, j'ai l'inventaire plein à craquer. Faut vraiment que je fasse le vide. Hop. Bon, bah, ah, y a encore un champ que j'aurais pu... que je vais prendre, d'ailleurs. Pas que j'aurais pu. Ah, c'est assez joli comme formation, ça fait une espèce de dent. Il y a un banderé là. Vraiment sympa. Allez, hop, on va courir un petit peu. On va aller piller le dernier champ. Et puis on va se rentrer. Au moins on aura de quoi se faire pas mal de bouffe. Merci les PNJ pour vos villages à la con. Hop. Tac tac tac. Ok. Et voilà. 59, c'est nickel. C'est nickel. Ok. Ah là-bas, il y a un livre. Ah oui, c'est celui que j'ai acheté tout à l'heure. Ok, ok, bon bah voilà. Allez, on va se rentrer. Je reprends mon épée. En tout cas, bonne découverte ça là pour les petites tourelles comme ça, j'avais je connaissais pas franchement. Ça m'a même étonné mais bon. Admettons. Ah, ça c'est ah c'est des chèvres. Ah bah c'est la première fois que j'en vois aussi. Ah, je vais en tuer une, tiens. Une deuxième. Ah. Ah, c'est la première fois. Putain, mais aujourd'hui ça va être la l'épisode découverte quoi, je découvre des choses que je n'avais jamais vues. Bah c'est bien, il faut de temps en temps découvrir des choses comme ça. Alors, la tour elle, elle est ici, ok. Ah bah c'est franchement c'est bon à savoir. Une bonne petite découverte ça. Ah, un petit bruit flippant au passage. Bon allez, on va se rentrer parce que c'est pas le tout mais bon. Hop. Par contre ce qui est dommage c'est qu'ils lootent rien les mecs que j'ai tué là, les bandits. Bon, d'un côté ils ont des coffres assez sympas, hein. Je me suis fait un cafre et un pantalon. Mais bon c'est con. Qu'ils lootent rien, genre des pièces, un peu plus de pièces. Je me suis fait 48 je crois avec eux. Mais bon. Un petit peu plus ça aurait pas été de refus. Voilà voilà. Je voulais couper du pain mais j'avais oublié que j'étais plein à craquer. J'avais oublié. Bon bah ce qu'on va faire, attends, j'y pense, on va peut-être explorer tout ça. Ça sera fait. Puis dans tout ce qu'on va découvrir, on va peut-être découvrir des trucs assez magiques. Magnifiques. Parce que si j'explore toute la carte, là déjà, ça fait déjà une bonne map. Une bonne petite map. Alors, ça, ça doit être le petit village. Ouais. Et moi je dois habiter par là-bas. Et puis bah tiens, avec toutes les plantes, toutes les graines qu'on a, on va en profiter pour peut-être faire des champs. Au moins ça me fera une source de bouffe en presque illimité, on va dire. Alors ouais, ma maison est là-bas. Allez, on va courir un petit coup. Hop. Et puis... ouais, c'est par là. Nickel. Bon, j'ai laissé grand ouvert. Allez, rentrer chez moi. Et voilà. Et bah, c'est nickel. Bon. On va faire le vide un petit peu quand même. Hein. Parce que... ok. Peut-être que j'éclaire un peu plus ici quand même. Alors. Alors, j'avais déjà pas mal de graines. Hein. J'en avais déjà pas mal.
Ça, c'est le gros foutoir. Alors, putain, j'ai 47 livres, j'ai de quoi faire du coup. J'ai de quoi faire. Alors, on va en faire tout de suite. On va faire des bibliothèques. Hop. Voilà. Tac. Alors, on va soit faire des planches. Tac. Merde. Je suis con. J'étais en train de bugger là, mais... J'ai mauvaisement bugué. Ok, bon, bah, ça c'est fait. J'ai fait des bibliothèques. Pour ma déco intérieure, je voulais faire du pain. Tac. Voilà. Ici, du coup, on va ranger. Bah tiens, j'ai de la citrouille, ça c'est magique. C'est magique. Alors, on va réunir tout ce qui est bouffe et plantes en bas. Allez, on va organiser un petit peu tout ça. Je sais que c'est pas ce que vous aimez plus, mais de temps en temps, il faut le faire. Alors, des poiscailles, la rotten flèche, ça sert un peu à rien. Toutes ces flèches là, ok. Des os, ok. Ici, on va mettre. Alors là, j'ai de la thune. On va mettre sur le côté ici tous les loots des monstres. Hop, un petit arc séparé par le lapis lazuli. Ok, ça fait partie des plantes, ça fait partie de la thune. Ça c'est de la bouffe, mais ça je le prends pour le faire cuire. Spider eggs, Mayan, je sais pas trop ce quoi ça sert. Ça c'est looté là, hop, ici. Ça on reprend, tac. On va mettre tous les outils ensemble ici. Ok, bon, j'ai déjà bien organisé tout ça. Enfin, à peu près. Maintenant. Ça, on pose. Ça, je dis que je vais garder ça, je pose. Ça, je pose. Quoique j'aurais pu l'implanter un peu. Bon, tant pis. Ça, je garde avec moi. Je vais voir si je peux le revendre. Au cas où ça peut me faire de la thune. Ça, je vais poser dans un autre coffre. L'obsidienne, hop. Ça c'est de la thune. L'obsidienne, ça va ici d'ailleurs. On va en profiter pour faire hop un lingot qu'on va mettre à cuire. Tac. Voilà. Ici j'ai dit que j'avais la thune, ok. Alors, bah tiens, il fait nuit. Alors, maintenant, ici, la cobble, ça, j'aurais pu aller leur vendre. J'ai de la laine qu'il faut que j'aille leur vendre. Les bibliothèques, je sais pas trop ce que je vais en faire. On verra. En attendant, on les pose. Ça, on pose. Ça et ça, on pose. Ça, je pourrais le refaire cuire. Les flèches, j'ai oublié de les poser là-bas. Le bois, je garde. Hop, ça je dois mettre à cuire. On va prendre de la cobble. Hop, deux fours. Pourquoi deux fours? Hop, voilà. Et ici, les petites viandes côtelettes. Voilà. Ça devrait le faire, ok. Alors ça on pose, ça on repose, ok. La laine, ça je vais le vendre plus tard. Les vides, j'en ai plus besoin. J'en ai plus besoin. Bon, on va poser. Stone slab, on pose. Ça je le posais tout à l'heure. Et voilà. Bon, on aura bien tout rangé. Alors on va juste... J'ai plus de bois par contre. Merde, ça c'est con. Ça c'est plutôt con. Comment je vais faire? J'ai une idée.
Hop. On va jouer sur l'économie. Voilà. On va mettre un bloc de laine ici. Et on a magnifique du bois. Alors hop, nickel, 74 torches en plus. Voilà, bon bah c'est parfait. Je vais dormir un petit coup. Et puis je vais vous laisser, tiens, parce que ça filoche. Bah je vous retrouve la prochaine fois où on ira vendre la laine et puis on continuera notre petite aventure avec le petit PNJ. Voilà, voilà, bon, bah, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, n'oubliez pas de vous abonner, tout et tout. Et voilà, salut à tous.